cette grande édition d'information. Monsieur Dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ses déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. Le Conseil supérieur de la communication est en session ordinaire depuis ce matin. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour. Détails dans ce journal. Réception samedi dernier à Maradi de deux CSI de type 2 construits par le Conseil de ville de la région et financés par le PAC 2. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouverture donc ce matin à Niamey des travaux de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois de février 2014. Plusieurs points, dont celui relatif à l'examen des propositions de modification de la délibération numéro 005/CSC du 5 septembre 2013 portant modalité de saisine d'office du CSC sont inscrits à l'ordre du jour de la dite rencontre. Compte rendu Moudi Moussa. Placé sous la présidence du président du Conseil supérieur de la communication, ces assises auxquelles prennent part l'ensemble des conseillers de l'organe régulateur des médias s'inscrivent dans le cadre de l'ouverture des travaux de la deuxième session ordinaire du dit Conseil au titre de l'année 2014. Des assises qui s'ouvrent notamment dans un contexte particulier plaçant le Niger au centre de l'actualité médiatique du fait de l'interpellation et de la garde à vue ces derniers jours de plusieurs hommes de médias et acteurs de la société civile suite à des plaintes déposées à leur encontre devant les tribunaux. De mon point de vue, la première leçon qui doit être tirée est relative à la portée de la dépénalisation. Il faut légitimement se demander, mais au fait, qu'est-ce qui a été dépénalisé à travers l'ordonnance 2010-34 du 4 juin 2010 ? Est-ce le délit de presse, c'est-à-dire le délit inhérent à l'exercice du métier de journaliste, ou est-ce le délit commis par voie de presse ? C'est-à-dire tout délit contenu dans le code pénal, dès lors qu'il soit commis à travers un média. Ces interrogations appellent naturellement d'autres. La dépénalisation concerne-t-elle exclusivement les journalistes ou s'étend-elle à tous les citoyens? La deuxième leçon à tirer est relative au caractère inopérant de l'ordonnance 93-31 du 30 mars 1993 portant sur la communication audiovisuelle. Ce texte, faut-il le rappeler, a été adopté pendant la transition post-conférence nationale dans le but de libéraliser le paysage audiovisuel de notre pays. Mais une chose est de libéraliser, une autre est de réguler l'espace libéralisé. Et c'est justement à l'œuvre que le régulateur se trouve presque totalement désarmé. Car le principal instrument de régulation de l'audiovisuel prévu par ce texte, à savoir le cahier de charge, est inexistant. En vue donc de renforcer davantage les capacités d'intervention du Conseil supérieur de la communication dans l'accomplissement de sa mission de régulation, Abdramane Ousmane estime qu'il urge plus que jamais d'aller vers la validation mais aussi la signature des différents projets de cahier de charge examinés et adoptés lors des précédentes sessions du CSC.
Le conseil de presse, qui est pour ainsi dire la chambre d'accusation du CSC, n'est pas permanent. Ses membres se réunissent une fois par semaine, compte tenu de leurs obligations professionnelles. Les membres du bureau du CSC, qui sont eux permanents, n'ont aucun pouvoir de sanction. Même à titre conservatoire, en attendant la tenue de la plénière, et ce, quelle que soit la gravité de l'acte causé par un média ou par un journaliste. La quatrième leçon tirée a trait au faible niveau de responsabilité des directeurs de publication et des directeurs des médias audiovisuels. Bon nombre d'entre eux que nous avons interpellés à chaud nous ont donné l'impression de ne pas savoir les contenus que leurs organes ont pourtant publiés ou diffusés. Pour preuve, dans le cadre des poursuites judiciaires en cours, des simples journalistes ou reporters ont comparu devant les juridictions à titre d'auteurs principaux. Alors qu'en matière de délit de presse, les textes sont on ne peut plus clairs. Ainsi, durant les travaux de la présente session ordinaire du Conseil supérieur de la communication, les conseillers auront à examiner et adopter le procès-verbal de la session du mois de janvier 2014, partager les informations sur l'avis du CSC pendant l'intersession, examiner les propositions de modification de la délibération 005/CSC du 5 septembre 2013 portant modalité de saisine d'office du CSC et enfin examiner et adopter les rapports du Conseil de presse relatifs aux 6 cas de saisine d'office du CSC. Lancement ce matin au centre de perfectionnement des travaux publics d'une formation de renforcement des capacités des agents techniques de la police nationale. Ils sont au total 22 agents de la police nationale à suivre cette formation. Le compte-rendu signé Hima Sebou et Imran Maïga. Cette formation des agents de la police nationale s'inscrit dans le cadre des renforcements des capacités opérationnelles des agents. Ils sont au total 22 agents, dont 12 en mécanique auto, 5 en électricité auto et 5 autres en tôlerie peinture à bénéficier de cette formation. Très heureux d'accueillir ces élèves policiers, le directeur général du Centre de perfectionnement des travaux publics n'a pas manqué de faire une présentation du centre. Ayant à l'esprit l'importance de cette formation, le représentant du directeur général de la police nationale a remercié l'Union européenne pour son soutien financier et relevé les missions assignées à la police nationale. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui et qui consacre le lancement de la formation des agents techniques de la police nationale me donne l'occasion de remercier au nom du directeur général de la police nationale empêché, l'Union européenne, qui a bien voulu répondre favorablement à travers le programme d'appui à la justice et à l'état de droit PAJED, à la requête de la Direction générale de la police nationale relative à la formation de 22 agents techniques en mécanique auto, électricité auto et en tôlerie peinture. Comme vous le savez, la police nationale est l'une des institutions de l'État les plus sollicitées. Elle doit constamment assurer la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national, lutter contre le terrorisme et le crime organisé, surveiller et contrôler nos frontières ainsi que les flux migratoires, maintenir l'ordre public, apporter aide et assistance aux populations et bien d'autres missions encore. Pour mener à bien les missions ci-dessus énumérées, la police nationale doit accroître davantage sa mobilité pour répondre efficacement et avec promptitude aux sollicitations de nos concitoyens. Le représentant de l'Union européenne a réaffirmé leur engagement à soutenir davantage les forces de défense et de sécurité en général et la police nationale en particulier. Le Niger et l'Union européenne, nous avons développé chacun de son côté une stratégie dans la matière de sécurité. Cette année, nous avons déjà commencé même la procédure pour l'achat de plus de matériel roulant.
Plus précisément, il s'agit de 15 pick-up, une wagon station, un camion de transport, des troupes et 15 motos supplémentaires, ainsi que deux ambulances et un minibus de vedettes fluviales. Pour finir, je formule le vœu sincère que ces formations soient très utiles et que permettent de maintenir un bon niveau de qualité le parc automobile de la DGPN. Prononçant son discours, le directeur de cabinet du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, s'est dit réjoui de cette formation combien importante qui permet à n'en point douter à la police nationale de mener à bien sa mission, avant de réitérer la gratitude des plus hautes autorités à l'Union européenne pour l'intérêt accordé pour le Niger. À l'issue de cette formation, ces agents de la police nationale seront affectés dans les différentes unités de la police nationale selon leur spécialité. Le centre régional Agrimet a organisé ce matin à son siège un atelier de formation sur le mécanisme de développement propre et marché volontaire. Objectif, renforcer les capacités des porteurs de projets et d'idées de projets carbone. Compte rendu, Halimatou Abdou. Renforcer les capacités des porteurs de projets et d'idées de projets carbone, c'est l'objectif de cet atelier de formation sur le mécanisme de développement propre et marché volontaire pour des porteurs de projets et d'idées de projets carbone dans le secteur de l'agriculture forestière et d'autres utilisations des terres de l'Afrique de l'Ouest à Afolu. À l'issue d'un processus qui a démarré en avril 2013, avec un premier atelier qui nous avait permis de sélectionner dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest 26 porteurs de projets dans le secteur de l'agriculture, de la foresterie et des autres utilisations des terres. Il s'agira donc, à l'issue de cet atelier, donc de finaliser les notes des projets, de voir les possibilités de financement, ensuite déjà de nouer des liens entre porteurs de projets et investisseurs, et enfin de bien définir l'accompagnement qui est nécessaire aux porteurs de projets pour la suite à donner à cette activité. Procédant à l'ouverture des travaux de cet atelier, le directeur général par intérim de l'Agrimet a signalé que cette deuxième rencontre sera l'occasion d'analyser des notes de projet, ce qui constitue un premier pas vers la levée des barrières. Cette deuxième session qui s'ouvre aujourd'hui sera l'occasion d'analyser des notes de projet MDP, mais également de réunir des porteurs de projets et des investisseurs sous forme de business meeting. Cet atelier de 4 jours devra aboutir au résultat suivant. Premièrement, la finalisation des notes d'idées de projet. Deuxièmement, l'information des porteurs de projets sur les possibilités de financement. Et enfin, la définition du type d'accompagnement nécessaire aux porteurs de projets. Le renforcement des capacités des porteurs de projets et d'idées de projets constitue un premier pas vers la levée des barrières et permet aux acteurs concernés de comprendre les enjeux et de participer activement aux mécanismes de financement carbone pouvant impulser un développement durable dans le secteur Afolu de notre sous-région. Les résultats des 4 jours de travaux de cet atelier vont ainsi contribuer à renforcer les capacités des cadres de la sous-région et de booster le portefeuille de projets carbone et du changement climatique dans les politiques et stratégies nationales. Il est à noter que la journée du 26 février sera consacrée à la rencontre entre les porteurs de projets et les investisseurs sous forme de business meeting. Actualité dans nos régions à présent, la Fondation Tatali Iali de la première dame du Niger, docteur Issoufou Malika, a procédé vendredi dernier à Agadez à la remise de vivres, de médicaments et équipements médicaux à plusieurs groupements féminins. Objectif, contribuer à améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables. Les images. C'est à 9h30 que le monde Bagazam, qui transportait la première dame, Dr Malika Issoufou, et la délégation qui l'accompagnait, a atterri à l'aéroport international Manou Dayak d'Agadez.
Après les salutations d'usage avec les autorités administratives et coutumières, c'est un accueil chaleureux, plein d'enthousiasme qui attendait Malika tout au long de la voie menant de l'aéroport à la résidence du gouverneur. Ensuite, la délégation s'est transportée sur le site de la cérémonie, objet du déplacement de l'épouse du président de la République, Issoufou Mahamadou, où également une foule nombreuse l'attendait. D'entrée de jeu, le maire de la ville d'Agadez a souhaité la bienvenue à la première dame, Dr Malika Issoufou. Feltou Richard a ensuite salué l'initiative. Merci à la première dame d'avoir pris l'ingénieuse initiative de faire ce déplacement d'Agadez. Il nous honore à plus d'un titre et vous permettra certainement d'échanger avec les différents acteurs pour mieux connaître leur contexte afin d'apporter des solutions pertinentes et durables aux problèmes qu'ils vivent. Ensuite, la vice-présidente de la Fondation, Tatali Yali, a souligné les objectifs que la Fondation s'est donnés depuis sa création. Celle de venir en aide aux couches vulnérables, cadre dans lequel s'inscrit la présente cérémonie, a indiqué le secrétaire exécutif de la Fondation, Tatali Yali. Après les régions de Dosso, Tillabéri, Maradi, Zender et Tawa, nous voilà aujourd'hui à Agadez avec des vivres pour les 15 communes de la région. Des produits médicaux pour 40 centres de santé, une cabine dentaire et un échographe pour le CHR, 150 motopompes et 30 tonnes d'engrais pour les femmes de groupement pratiquant déjà des activités de maraîchage. À cela viendra s'ajouter un montant de 15 millions de francs CFA offert par un partenaire pour réparer 3 ambulances actuellement en panne dans le département de Bilma et un prix à une femme ayant eu son certificat d'entrée en 6e à l'âge de 53 ans. La Fondation Tatali Yali, dans ses œuvres de charité, est accompagnée par Assoussou S.A. Société de microfinance, Assoussou S.A. œuvre depuis sa création à l'autonomisation économique des femmes rurales et celles à faible revenu. Avec 35 agences de plein exercice, nous offrons des services qui font de l'épargne au crédit, en passant par le transfert d'argent et l'éducation financière. Assous SA se place aujourd'hui comme le système financier décentralisé le plus présent sur le territoire national et à l'écoute des plus démunis, rejoignant ainsi la Fondation Teltali dans la recherche d'un monde meilleur pour les couches sociales les plus vulnérables. J'ai l'honneur et le plaisir d'annoncer aux populations de la région d'Agadez l'ouverture d'une agence Assoussou dans l'historique cité d'Agadez. J'invite toute la population d'Agadez à prendre attache avec cette nouvelle agence pour découvrir toutes les opportunités de financement qui s'ouvrent désormais à elle. Aussi, pour joindre l'acte à la parole, comme vous avez dû le constater, Assous SA vient de remettre un chèque de 15 millions de francs CFA de dons pour la mise en état de marche de 3 ambulances dans la région d'Agadez. Après la partie protocolaire, la première dame a procédé à la remise des différents dons. D'abord, un cadeau d'encouragement à une femme qui est admise au CFEPD à l'âge de 53 ans grâce à la méthode d'alphabétisation de l'ONG Head Tamat. Puis le kit pour les jeunes filles scolarisées d'Aberdisnat et enfin la remise du don objet du déplacement de la première dame, à savoir 150 motopompes,
30 tonnes d'engrais, 75 tonnes de sucre, 75 tonnes de farine de blé et 75 tonnes de riz. À noter que la première dame a mis ce déplacement à profit pour visiter le centre hospitalier régional d'Agadez, bénéficiaire d'une cabine dentaire et d'un échographe plus 500 moustiquaires. Une telle demande est étendue par le matériel assez vétuste, surtout du cabinet dentaire de l'UCHR de Tawa. Ils ont une vieille cabine qui date de 1985. Et voilà maintenant qu'ils vont recevoir juste vraiment une cabine dentaire toute neuve, au grand soulagement de toute la population d'Agadez, pour tout ce qui est maladie bucco-dentaire. La maison d'arrêt d'Agadez a également reçu la visite de Dr Malika Issoufou. À ce niveau, le régisseur de la prison a fait une brève présentation. Il a ensuite donné les besoins de cette dernière, même si elle est déjà dans le programme de réfection, comme l'a indiqué le ministre de la Justice. Évidemment, cette maison d'arrêt qui date de 1940 a besoin plus que de réhabilitation, mais de reconstruction. Alors, je pense que le régisseur défonce une porte ouverte. Si l'ensemble de la maison ne sera pas reprise, au moins la grande chambre, comme on dit, elle sera entièrement reprise à travers le programme d'appui qu'on appelle PAGET et qui permettra donc de mettre aux normes et cette maison que nous avions visitée avec vous et qui ne répond vraiment à aucun standard de respect des normes internationales. Bien au contraire, vous avez vu, c'est presque une vieille écurie, comme on dit, et avec des labyrinthes, on ne peut plus, inacceptables aujourd'hui. Donc nous nous réjouissons qu'à travers ce programme, en 2014, nous pourrons reprendre entièrement cette maison. La mission de la première dame, Dr Malika Issoufou, présidente de la Fondation Tatali Ali à Agadez, a pris fin sur une note de satisfaction totale. Et puis, en partie magazine de cette édition, vous suivrez l'entretien que nous a accordé Wassalké Boukari, un entretien relatif à l'article 85 des textes réglementant le MNSD Nassara. L'ONG Initiative pour le développement local IDELA a procédé hier à la remise d'un lot de matériel informatique aux quatre communes du département de Tawa d'une valeur de 4 millions de francs CFA. Ce don vise à renforcer les capacités des communes. Compte rendu, Asman Amadou. Cette cérémonie de remise d'un important lot de matériel composé de 4 ordinateurs, 4 imprimantes, des ondulaires, des lots de fournitures de bureaux, des fiches de suivi de vulnérabilité aux 4 communes rurales du département de Tawa, à savoir la commune rurale de Afalla, Bombay, Takanamat et Bormou, d'une valeur estimée à plus de 4 millions de francs CFA. Cet appui financé par des FID à travers Oxfam, mis en œuvre par l'ONG Initiative pour le développement local en Afrique, IDELA. Un don venu à point nommé, précise le préfet du département de Tawa, en réceptionnant les matériels. C'est un portable lot que je viens de réceptionner d'une valeur de plus de 4 millions. Va impérativement donc servir ces communes-là que je viens de citer. Donc nous remercions au nom des autorités, des plus hautes autorités, parmi lesquelles donc le chef de l'État, son Excellence Souvamodu, et le chef du gouvernement, son Excellence Brigitte Affini. Nous remercions vraiment l'ONG IDELA et nous inviterons aussi tous les projets ONG d'emboîter les pas dans ce cadre-là. Maazu Salifou, maire de la commune rurale de Takanamat, en prenant la parole au nom des maires des différentes communes bénéficiaires, ces matériels seront utilisés à bon escient. Au nom de ces maires, donc, j'adresse le vif remerciement aux DFID et aux Oxfam
qui a apporté maintenant cet important appui pour renforcer la capacité donc, de l'opérationnalité donc des observatoires de suivi de vulnérabilité. Après cela, donc, ce geste n'est pas premier. Donc, il vient renforcer donc, une importante donc, instance que la même ONG IDELA avait faite maintenant dans les différentes communes. Dans son intervention, le chargé de programme de l'ONG IDELA, après avoir énuméré les objectifs de cette cérémonie, se prononce sur la pertinence de ses partenaires. Ce don, comme je l'avais dit tout à l'heure, en fait, il s'intègre en fait dans un projet que l'ONG IDELA est en train de mettre en œuvre, qu'on appelle le projet de réponse aux besoins humanitaires au Sahel 2013, qui est financé par un organisme anglais qu'on appelle le DFID, à travers en fait, Oxfam. Ce n'est qu'une composante d'un projet qui comporte entre autres toutes les activités liées au cash transfert, les activités liées au cash grant, la réhabilitation de cette puits, la réhabilitation et le fonçage de cette puits, les activités de renforcement des banques aliments bétail et des banques céréalières, sans oublier tous les aspects liés à sensibilisation sur le budget familial, l'hygiène, l'assainissement et bien d'autres. La pertinence de ces observatoires de suivi de vulnérabilité, c'est parce qu'ils constituent en fait un relais du dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires. On peut dire que ce sont des structures qui font la jonction entre le niveau communautaire et le niveau sous-régional du dispositif lui-même. Ces matériels vont renforcer les capacités des communes bénéficiaires de prendre des initiatives locales de prévention des crises et des décisions de réponse communales aux urgences dans la mesure de ses compétences. La commune de Bombay a été insérée dans cet appui sur fonds propres de l'ONG IDELA. Réception samedi dernier à Maradi de deux CSI de type 2 construits par le conseil de ville de la région et financé par le PAC 2. Des CSI qui vont permettre d'offrir de meilleurs soins sanitaires aux populations de Maradi. Compte rendu, Alzouma Seni Soumela et Abdelkader Iliassou. L'inauguration d'un centre de santé intégré de type 2, construit par l'État à travers le PAC 2 via le conseil de ville de Maradi, est au cœur de cette cérémonie initiée par les autorités régionales de la ville de Maradi. Un CSI de type 2 bâti et équipé au quartier Zaria au profit des populations qui a coûté environ 150 millions de francs à CFA. En prenant la parole, le président du conseil de ville de Maradi a appelé les populations de Maradi à utiliser de manière conséquente ce centre mis à leur disposition. Une logique encouragée par le gouverneur de la région de Maradi. Je commencerai mon propos par remercier le président du conseil et l'ensemble du conseil de ville de Maradi pour cette initiative novatrice. Novatrice en ce sens que, de par le passé, on attend que tout vienne de l'État. Voilà qu'aujourd'hui, nous avons des responsables soucieux du bien-être de leur population. Quand on s'inscrit dans le cadre du PDS, Programme de développement économique et social, qui est une déclinaison du programme de renaissance du chef de l'État, Son Excellence Issoufou Mamadou, nous ne pouvons que nous en réjouir. Merci à la ville de Maradi, parce que nous sommes certains que ce joyau va contribuer à rehausser la couverture sanitaire de la ville de Maradi. Après Zaria, la délégation se rendit au quartier Tarna pour une autre réception de notre CSI de type 2 qui a coûté environ 40 millions à la municipalité. La réception de ces deux CSI de type 2 dans la ville de Maradi aura certainement un impact positif dans l'amélioration des conditions sanitaires des populations de Maradi. Les militants de l'organisation des jeunes Taréa de la commune urbaine de Maradi se sont réunis hier après-midi au siège du conseil municipal
pour rendre public une déclaration. Ils soutiennent le président de la République pour ses efforts et actions réalisées dans la région de Maradi. Compte rendu à aussi Abdraman Abdelkader Iliassou. C'est dans une salle archicomble à la municipalité de Maradi que les militants membres de l'organisation des jeunes Tareya de la section de la communauté urbaine de Maradi se sont réunis afin de lire une déclaration de soutien au chef de l'État et aux autorités de la 7e République pour les multiples réalisations de développement engagées par ceux-ci dans cette région. Cette déclaration est lue par le secrétaire général de l'OJT. Nous, organisation des jeunes Tareya de la communauté urbaine de Maradi, déclarons ce qui suit. Félicitons et soutenons fermement le président de la République, son Excellence El Hadj Issoufou Mahamadou, pour son honnêteté intellectuelle à bien vouloir honorer les engagements qu'il avait signés avec les Nigériens en général et les populations de Maradi en particulier dans le cadre des grandes réalisations. Encourageons le gouvernement de la 7e République à persévérer dans ses œuvres de bienfaisance à l'endroit des populations nigériennes longtemps gardées en otage par certains politiciens sans foi ni loi. Saluons le courage et l'abnégation avec lesquels notre camarade El Hadj Rabiou Moussa Kalla est en train de coordonner les activités de l'organisation des jeunes Tareya de la communauté urbaine de Maradi en qualité de président. Saluons également la bravoure et la générosité du camarade El Hadj Sani Lawalidi Atia pour avoir distribué 350 motos et le financement de 500 permis de conduire à des jeunes sans emploi dans la région de Maradi. Auparavant, plusieurs responsables du parti PNDS Tareya ont pris la parole en langue nationale pour exprimer leur satisfaction à l'endroit des autorités actuelles et leur remerciement aux militants pour leur mobilisation autour des idéaux du parti. Deuxième réunion ordinaire hier matin des militants du parti RSD Gaskia à la commune rurale de Safo dans le département de Madarumfa. Une réunion présidée par le premier vice-président du conseil régional de Maradi qui vise à échanger sur les préparatifs du troisième congrès ordinaire du parti. Retrouvons Aoussi Abdraman et Abdelkader Iliassou. Les assises de cette deuxième réunion ordinaire des militants du parti RSD Gaskia de la commune rurale de Safo dans le département de Madarumfa est bimensuelle et a comme objectif l'organisation des activités du parti au titre de l'année 2014, notamment les préparatifs du troisième congrès ordinaire et l'état des lieux par commune des activités du premier trimestre de cette année. Des assises qui font suite à la célébration du 10e anniversaire le 5 janvier dernier du parti et qui a connu la présence du président national du RSD, El Hadj Chefou Amadou. Une réunion au cours de laquelle le premier vice-président du conseil régional s'est apesanti sur l'appel dit de Maradi et l'attachement du président du RSD Gaskia à l'évolution sociopolitique de notre pays. Il vous souviendra que le 5 janvier 2014, à l'occasion de l'anniversaire de notre parti, ici même à Maradi, Son Excellence El Hadj Chefou Amadou a lancé un vibrant appel que nous qualifions d'appel historique de Maradi. Cet appel qualifié d'historique vise véritablement la redynamisation du parti et la mobilisation dans l'unité et la sérénité des idéaux chers à notre parti et au président du groupe politique national, son Excellence El Hadj Chefou Amadou, homme intègre et sage. Cette réunion consacre la tenue de la deuxième réunion ordinaire au titre de l'année 2014 du bureau départemental du RCD Gaskia de Madarumfa élargi aux élus locaux. Il s'agira pour nous durant cette journée d'échanger sur les points saillants
de la vitalité et de la sérénité de notre parti, de notre département. Des débats enrichissants se sont ensuite suivis entre participants sur les démarches à entreprendre pour la bonne marche des activités du parti, des assises qui ont été sanctionnées par une déclaration du Rassemblement démocratique départemental de Madaronfa, lue par le secrétaire général adjoint départemental de Madaronfa. Le RADEP, Rassemblement départemental de Madaronfa du RSD Gaski, a réuni en réunion ordinaire ce dimanche 23 février 2014 faire la déclaration suivante. Considérant les multiples efforts déployés par le Bureau politique national sous la clairvoyance de son Excellence L.A. Chef Amadou, homme intègre et sage, apportons notre soutien ferme et indéfectible au camarade président national du parti RSD Gaskia. Considérant que le département de Madaronfa constitue une force vive pour le parti, voire le poumon du parti, encourageons tous les responsables communaux et départementaux à continuer inlassablement le combat de l'unité, la cohésion pour le rayonnement de notre grand parti, le RSD Gaskia, le RADEP de Madaronfa. Les présentes assises sont la confirmation de la sérénité des militants du RSD et surtout la détermination des membres du bureau élargi au bureau des communes à concrétiser le vibrant appel du président du parti à la mobilisation et à la redynamisation des structures du parti. Un mot de sport dans ce journal. La pelouse synthétique du stade régional de Maradi a été inaugurée samedi dernier par un match amical entre Dankassa de Maradi et Alkali Nassara de Zinder. C'était en présence du président de la Fenifoot. Compte rendu, Alzouma Seyni Soumela, Abdelkader Iliassou. D'une valeur de plus de 350 millions de francs CFA, la pelouse synthétique du stade régional de Maradi a été inaugurée ce samedi 22 février 2014 par ce match amical entre Dankassawa de Maradi et Alkali Nassara de Zinder. Bien avant le coup de sifflet inaugural, plusieurs allocutions ont été prononcées, notamment celle du président de la Fenifoot, du représentant du ministère des Sports et celle du gouverneur de la région de Maradi. Toutes les interventions sont convergentes par rapport à l'influence positive qu'aura cette pelouse sur le football de la région de Maradi. Ma satisfaction est très grande. Elle est très grande en ce sens que vous savez que la jeunesse constitue notre pertinence de toute la nation. Et aujourd'hui, nous retrouver en tête d'une réception d'une pelouse qui a coûté plus de 350 millions à la FIFA au profit de la jeunesse de Maradi, ça ne peut être qu'une fête particulière pour nous aujourd'hui. Parce que nous sommes convaincus qu'avec ce joyeux, notre jeunesse va encore de l'avant dans le sport, surtout le sport lointain, le football. Nous allons quand même nous organiser parce qu'après la fête, il faut passer aux choses sérieuses. Les choses sérieuses, c'est de dire qu'il faut voir s'il y a lieu de mettre un comité de gestion de ce stade, de ce joyeux. Cette pelouse synthétique fait du stade régional de Maradi un des stades les plus en vue du Niger. À l'occasion de cette inauguration, des témoignages de satisfaction ont été donnés aux autorités régionales et au président de la Fenifoot pour leurs efforts dans la concrétisation de ce joyau. Comme annoncé, la partie magazine de ce journal est consacrée à l'entretien que nous a accordé le ministre de l'Hydraulique, Wassalké Boukari. Un entretien qui porte sur la situation actuelle qui prévaut au sein du MNSD Nassara. Il est aussi revenu sur l'exclusion des 9 membres du parti par le Bureau politique national. Très bonne réception et au revoir. Depuis le communiqué du 13 février, d'une partie des membres du bureau politique, effectivement, je n'ai pas jugé nécessaire de réagir parce que tout simplement, depuis que le MNSD est entré dans la phase actuelle, si vous avez remarqué, j'ai observé
beaucoup de réserves. Je n'ai pas communiqué. Pourquoi? Parce que moi, je suis membre du MNSD depuis toujours. Je sais comment nous avons souffert pour construire ce parti. J'ai gardé une attitude de réserve. Et même les autres membres du gouvernement au titre du MNSD Nassara, si vous remarquez, après leur première communication, ils n'ont plus parlé. Parce que nous nous sommes concertés et nous avons décidé d'adopter une ligne de conduite jusqu'au prochain Conseil national du parti ou congrès du parti, espérant que c'est à cette occasion que le problème doit être posé, débattu, de manière à permettre au MNSD de rester uni pour les échéances futures. C'est pour cela que l'autre jour également, je n'ai pas jugé opportun de réagir tout de suite. Et tous les autres camarades aussi, si vous constatez, ils n'ont pas réagi. Mais nous avons constaté que la décision du tribunal indiquant qu'en l'état, le recours en référé qui avait été introduit n'était pas recevable en l'état, est en train de faire l'objet de déformations volontairement tendant à faire croire que le juge a donné raison à une partie ou à une autre. Ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, si j'ai décidé effectivement de communiquer, c'est pour que les militantes et les militants du MNSD sachent d'abord en ce qui concerne la décision donc du communiqué du 13 février, il faut qu'ils sachent que l'article 85 des statuts du MNSD que le juge avait invoqué, qu'est-ce qu'il dit exactement pour que les gens comprennent que le juge n'a pas tranché. L'article 85 dit que la commission d'arbitrage et de conciliation du parti est obligatoirement saisie par tout militant du parti avant la saisine des juridictions pour tout litige se rapportant aux activités du parti. Mais, il ajoute, ce n'est pas fini. Le même article continue. Elle est saisie dans les mêmes conditions par le Bureau politique national avant toute exclusion d'un membre des organes nationaux par le Conseil national. Par le Conseil national. Quelqu'un qui est membre d'un organe national, son exclusion éventuelle ne peut être que de la compétence du Conseil national. C'est écrit noir sur blanc. Et tout le monde sait que le communiqué que nous avons entendu le 13 février n'est pas un communiqué du Conseil national du parti ou du bureau politique à l'issue d'un Conseil national du parti. Pourquoi nous avons fait alors recours? Puisque normalement, on peut penser que le juge a dit « Allez-y d'abord vous conformer à vos propres textes avant de venir chez moi. » En fait, c'est ça que le juge a dit. Nous-mêmes, on aurait pu nous arrêter là et dire « Bon, on retourne à nos textes. » Pourquoi nous avons fait recours? C'est parce que il y a eu voie de fait. La voie de fait, c'est que lui-même, ceux qui ont fait le communiqué là, ils savent que ce n'est pas le bureau politique, à supposer même que ce soit le bureau politique qui se soit régulièrement réuni pour faire cette décision, c'est que le bureau politique n'est pas compétent pour prendre
cette sanction-là. Donc, en affirmant que c'est le bureau politique qui s'est réuni et qui a pris une décision qui ne relève pas de sa compétence, il y a voie de fait. Et c'est parce que nous estimons que dans le contexte actuel, cette voie de fait nous nuit. Parce que ceux qui ont fait ça, ils connaissent très bien les dispositions que je viens de lire. Parce que dans la décision portant composition des membres de cette commission, signée par le président Seyni Oumarou, la disposition que je viens de vous lire là, figure noir sur blanc. Il a repris dans la décision la disposition qui dit que la commission d'arbitrage et de conciliation est saisie dans les mêmes conditions par le bureau politique national avant toute exclusion des membres d'un organe national par le Conseil national. Fin de citation. Il a repris sa tête telle qu'elle. Cela veut dire qu'il est censé savoir qu'il ne pouvait pas réunir le bureau politique pour prendre cette décision. Pourquoi il l'a fait? C'était juste l'effet médiatique qu'il cherchait par rapport au projet de tenir un meeting à Tillabéri. Et c'est pour cela que nous avons dit on va faire un référé. Et si nous avons fait appel de ce référé, ce n'est pas parce que nous ne voulons pas aller au texte du parti. Mais les textes du parti doivent être respectés d'abord par ceux qui sont chargés de le faire respecter. Et lorsqu'il y a voie de fait, tout le monde sait, on n'a pas besoin d'être quand même un juriste particulier pour savoir que les voies de fait constituent des causes de nullité d'ordre public. C'est évident. C'est pour cela que nous considérons que le communiqué là est nul et de nul effet parce que la décision n'a pas été prise par celui qui est compétent au regard de nos propres textes. On ne parle pas de la justice. On ne parle pas du fond. Si on parle du fond, là, vraiment, ce qu'ils ont fait, moi, je sais qu'au sein du bureau politique, il y a des gens qui ne se sont pas du tout associés à cela parce qu'ils connaissent les textes du parti. Donc, c'est pour cela que nous tous, bien que nous n'avons pas voulu verser dans la polémique, la raison pour laquelle nous ne voulons pas verser dans la polémique, nous savons que depuis que au sein des partis, il y a eu des recours devant les juridictions, les problèmes ne se sont jamais réglés devant les tribunaux. C'est les problèmes politiques qui doivent se régler de façon politique. C'est ça notre position. Donc nous sommes membres du MNSD à part entière, membres du bureau politique, jusqu'à ce que le Conseil national éventuellement se prononce autrement. Et même là, selon nos textes, il y a des voies de recours. La hiérarchie des sanctions et la manière dont les textes, les statuts du MNSD sont organisés, c'est que celui qui est victime d'une sanction a un droit de recours sur l'organe au niveau de l'organe immédiatement supérieur. Bon, j'ai été un peu surpris. On m'a dit qu'il y a le porte-parole de notre parti a même dit définitivement et je ne sais pas. Ça n'existe pas dans les textes du parti. Bon, je sais qu'il fait bien son travail. Il défend le parti. Mais les notions juridiques, là, bon, c'est un ingénieur de travaux publics qui est bien engagé dans le parti. Il fait tout pour défendre le parti. Mais les termes qu'il a utilisés, là, n'existent pas dans le statut du MNSD Nassara. Monsieur le ministre, aujourd'hui, certains acteurs politiques pensent que le parti est véritablement divisé en deux. Est-ce que cela est vrai? Et est-ce que vous avez toujours qualité à vous exprimer au nom du parti? Je parle des neuf membres exprimés. Absolument.
Nous continuerons à nous exprimer librement en tant que membre du parti, conformément au texte du MNSD, parce que les organes habilités à prendre des sanctions ont été indiqués. L'article 78 des statuts du MNSD dit clairement les attributions du bureau politique. Et nulle part, l'article 78, nulle part, il ne dit que le bureau politique est habilité à prendre des sanctions disciplinaires à l'égard donc de ses membres. Là, il y a beaucoup d'actes qui se font, qui nuisent à l'intérêt du parti qu'ils sont en train de faire, mais c'est des choses sur lesquelles nous, comme nous ne voulons pas nuire, on estime que ce n'est pas la peine de venir se répandre devant les médias pour dire... Mais ceux qui m'écoutent et qui sont du bureau politique, ils savent de quoi je suis en train donc de parler. Donc, nous avons toujours la qualité de membres du MNSD Nassara. Ceux qui sont membres du bureau politique restent membres du bureau politique jusqu'à ce que une décision soit prise par l'organe compétent pour le faire selon les règles. Et là également, je vous ai dit qu'il y a des voies de recours. Nous sommes dans une logique politique. Ce n'est pas devant les tribunaux d'ailleurs que ça va se régler. Nous allons tout faire et c'était ça, nous, notre logique. C'est pour cela qu'on s'est tu. C'est parce que nous ne voulons pas d'un MNSD divisé. On a vu ce que les autres partis sont en train donc de subir. Et nous ne voulons pas que le MNSD subisse ça. Parce que les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux qui ont construit ce parti, ils ont souffert dans leur chair. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes peinés de voir qu'au niveau du leadership de ce parti, il y a des difficultés. Et malheureusement, on constate que la sagesse a quitté le président du parti. Monsieur le ministre, comment comptez-vous vous rendre au bout de ce problème sans passer par la justice? Nous comptons nous prendre pour régler ce problème sans passer par la justice, parce que par les moyens politiques. Je vous ai dit que c'est un combat politique. Au sein du parti, depuis le 13 août 2013, il y a deux lignes. Il y a une ligne du bureau politique qui est restée sur la décision du 25 juillet 2013 adoptée à l'unanimité des membres du bureau politique. On a d'autres camarades qui sont sur une autre ligne qui a été adoptée le 12 août 2013. Se fondant sur une position de l'ARN. Alors que l'ARN, de par son statut, n'est pas habilité à prendre une décision au nom des partis qui le composent. Ce sont les organes des partis qui composent qui prennent les décisions. Donc, nous avons pris une décision le 25 juillet 2013 à l'unanimité. On avait souhaité que s'il fallait revenir là-dessus, il fallait revenir dans les mêmes formes. Et s'il y a un conflit, ce n'est pas la manière dont c'est en train d'être géré. On a une instance supérieure au bureau politique qui est le Conseil national. Il aurait pu être convoqué en session extraordinaire et clarifier donc le débat. Mais là, la manière dont c'est en train d'être géré, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et nous allons tout faire pour que le MNSD ne tombe pas dans les mêmes travers que d'autres partis politiques. Parce que les gens ont la mémoire courte. Depuis qu'il y a eu des recours devant les tribunaux concernant les activités ou les divergences au sein des partis politiques, il n'y a pas un seul cas
qui a été réglé devant les tribunaux. Au contraire. Et vous voyez, même le cas de nos amis de CDS, ils ont fini par comprendre ça. Il y a une commission qui a été mise en place. Et cette commission n'a pas été mise en place à la suite d'une décision de justice. C'est parce que sans doute, la sagesse est en train de revenir et les gens sont en train de comprendre que ça ne se règle pas devant les tribunaux. Alors, c'est ce moment-là que certains de nos camarades choisissent pour poser des actes tendant à nuire aux intérêts du parti. Ce n'est pas la bonne solution. Mais ce qui est sûr et certain, moi je suis du MNSD, depuis sa création, je n'ai connu aucun autre parti. Tous les autres camarades avec lesquels je suis dans le gouvernement, nous sommes sur la même ligne. Nous avons fait beaucoup d'échanges, nous sommes sur la même ligne pour rester cohérents, ne poser aucun acte qui puisse nuire aux intérêts du parti, jusqu'au Conseil national et au Congrès. Et au Congrès, nous espérons qu'il y aura un débat politique. Ceux qui ont posé les actes n'ont qu'à venir s'expliquer devant l'ensemble des camarades du MNSD pour droit de tous les militants, toutes les militantes. C'est d'abord de ne pas se laisser démoraliser par ce qu'ils sont en train d'entendre à la radio, à gauche, à droite. Comme je l'ai dit à Tilaberi, Nassara restera Nassara. Nous allons tout faire, travailler pour aller au Conseil national, aller au Congrès et faire en sorte que, au niveau de ces instances, le MNSD puisse choisir des hommes et des femmes véritablement animés par l'intérêt du parti, l'intérêt du pays. Et c'est ça, nous, notre objectif. Donc, l'ensemble des militants, l'ensemble des militantes, les gens doivent rester sereins. Nous, on reste toujours membres du MNSD. Ceux qui sont membres du bureau politique, ils sont membres du bureau politique. Parce que, encore une fois, madame, l'article 85, les alinéas là, sont très clairs. Je ne suis pas en train de faire un commentaire de l'article 85. Je vous ai lu l'article 85, l'alinéa qui est concerné. La soi-disant décision ne peut pas avoir été prise par le bureau politique. Ça relève de la compétence. Donc, et vous savez très bien que lorsqu'il y a voie de fait, la voie de fait, mais on ne peut pas laisser les associations se fabriquer des règlements intérieurs qui sont leur propre loi, qu'eux-mêmes ne respectent pas la loi et posent des actes de voie de fait et vouloir traîner tout le monde là-dessus, dans un contexte. Ils savent très bien, moi je connais les membres du bureau politique, je sais qu'il y en a qui savent très bien que ce qui a été fait est complètement irrégulier. L'objectif qui était recherché, c'est parce que c'est, comme on dit en Zoukia, c'est vraiment le cœur. Les gens se sont sentis blessés quelque part par telle chose. Mais quand on est leader, on doit savoir raison garder jusqu'au bout. Et nous sommes dans cette logique. Il faut que les militants et les militantes du MNSD sachent, restent debout. Les Amazones, les jeunes, ils doivent rester debout. Pas pour aller devant les tribunaux pour ces choses. Ce n'est pas ça, nous, notre logique. Pour qu'on resserre les rangs et aux prochaines échéances, en dépit de ce qui est en train de se faire, on sait que certains camarades, dans ce cadre, sont en train de fabriquer des faux bureaux, des bureaux parallèles qu'ils vont amener au Congrès. C'est pas ça la solution. En matière politique, c'est la légitimité, c'est le rapport de force de la vie majoritaire au sein du parti.